te oto te torea nata ta ite ahi ahi ere ere aita wa ite ma taime ya oto mai te tiru na ei pata hei to rohi tou nei rohi mata tou nei rohi mata. Avant de nous envoler pour Tahiti, allons demander aux passagers de l'aérogare des Invalides ce qu'ils pensent de la Polynésie et des Vahinés. Would you like to go to Tahiti? Yes, sir, I'd very much like to. Je suis un peu vacciné tout de même, un peu vacciné. Je crois que tout compte fait, c'est encore en France qu'on est le mieux, vous savez. Mademoiselle, les hommes parlent beaucoup des Vahinés, mais vous, qu'en pensez-vous? Oh, mon Dieu, à Tahiti, il n'y a pas de serpent. Il faut bien qu'il y ait quelques petits inconvénients. Oh non, je suis trop vieux. Les Vahinés, c'est de la publicité, c'est bien connu. Les Vahinés vous font-elles peur? Non, pas du tout, bien au contraire. Vous aimeriez aller à Tahiti? Ah, bien sûr, certainement, voyons. Au lieu de parler toujours des Vahinés, on ferait mieux de nous entretenir des savants. Et les hommes, on dit qu'ils sont très beaux, est-ce votre avis? Oui, très beaux, certainement. Ils sont très beaux, très très beaux. Vahinés, vous savez ce que ça veut dire? Non, je ne sais pas. Eh bien, ça veut dire femme, tout simplement. Ah bon? Dites-moi, monsieur, vous aimeriez aller à Tahiti? Non. On vous offrirait le voyage, vous refuseriez? Certainement. Et vous, madame, vous laisseriez votre mari partir pour Tahiti? Mon mari est libre, il fait ce qu'il veut. Entreprenons un voyage périlleux. Allons voir de près ces créatures qui inspirent tant de crainte, les Vahinés. De notre globe, la route du sud passe par le Grand Nord, par ce pôle Nord que hier encore on conquérait en traîneau et vêtu de peau d'ours, et qui n'est plus aujourd'hui qu'un chemin de traverse pour atteindre au plus vite le Pacifique. Le Pacifique et ses îles innombrables, îles plates ou atolls faites d'une couronne de corail, ou îles montagneuses. Mais toutes peuplées de Vahinés, songeons-nous. Mais n'ayons point de regrets, une Vahinée, lorsqu'elle est belle, demeure rarement dans son île perdue. Elle vient à Papeete. Mais Papeete n'est pas seulement la terre d'élection des Vahinés. Elle est aussi la capitale de l'Océanie française. 15 220 habitants au dernier recensement. Craignez-vous l'avion, il y a un autre moyen d'atteindre ces charmantes personnes. C'est de visiter Tahiti en bande, dans un de ces grands paquebots blancs qui font le tour de la Polynésie comme les cars, la nuit, font le tour de Pigalle. L'Océanie by night. La figuration monte à bord. Pour l'état-major du bateau, la Vahinée de service a un geste familier et complice. Les colliers de fleurs sont portés à domicile. L'agence de voyage s'y est engagée au départ. Et après cette formalité traditionnelle, les passagers ont quartier libre. Ils errent à travers Papeete comme des soldats en permission. Pour passer le temps, ils achètent n'importe quoi. Au retour, ils appelleront cela des souvenirs. Ils ont d'ailleurs l'élégance des troufions désœuvrés. Les couples ne se séparent pas. Les vertus, paraît-il, sont en danger. Mais on bat déjà le rappel. La récréation est finie, la tournée reprend et le programme, minuté, prévoit une promenade aux îles. Ce pluriel est emphatique et mensonger. Il conviendrait mieux de dire promenade à une île, Moréa, en face Tahiti. Mais en Polynésie, le pluriel fait snob. On dit les îles comme on dit les mers du Sud. Voici la Vahinée. C'est un vieux capitaine de gendarmerie habitué des tropiques où il avait fait carrière
qui a peut-être le mieux défini les avantages de ces créatures de rêve. La Vahinée est la seule femme au monde qui ne dit jamais à son mari sur un ton de reproche « Tu ne me comprends pas ». Elle ne tient pas à être comprise, elle s'en moque même éperdument. « Parce qu'il n'y a rien à comprendre », murmurent les autres femmes jalouses. Le touriste d'ailleurs ne tient pas tellement à comprendre, il est intimidé. Et au contact direct, il préfère la lecture d'une page de son guide dans laquelle on décrit la Vahinée. Les voyages préfabriqués ne se contentent pas de montrer à leurs adeptes de sublimes paysages. Ils les font aussi pénétrer au sein même de la vie locale. Ici, nous assistons à un premier essai de fraternisation. Une touriste se risque au tamouré, la danse nationale. Mais bientôt, les rythmes vont jeter bas la barrière des complexes. Une autre s'enhardit. Ce dos ondoyant et paré de raffia n'appartient pas à une beauté du cru, mais à une perpignanaise qui s'est déguisée en fille des îles afin de mieux percer la psychologie des papous. Ils vous ont invité à danser? Oh oui, en faisant comme ça, oui. Et comment danse-t-il? Oh, il danse très loin de vous. Ah, si loin que ça? Comme dans le menuet. Et c'est une danse aussi chaste que le menuet? C'est selon. Et vous n'êtes pas déçu par la Polynésie? Oh, je pensais que la nature était plus agressive. Et les gens un peu... Un peu quoi? Que les gens étaient moins civilisés. Après la danse, les agapes. Les voyageurs sont conviés à un tamara touristique. Pas de tamara, c'est-à-dire de banquet tahitien sans musique. Les paroles de certaines chansons feraient rougir un régiment si on les traduisait en français. Mais en tahitien et avec le sirop de la guitare hawaïenne, elles paraissent à tous sentimentales et bien convenables. Le grand mérite de la cuisine polynésienne est qu'on doit la manger avec ses doigts. Ce retour à la sauvagerie donne une saveur à des plats qui, dans 15 jours, avec l'accoutumance, vous paraîtront tellement fades. Les cochons de lait sentent le sable. Rien d'étonnant à cela, ils ont été cuits dans un four creusé à même le sol. À ces tamaras de guinguette, rien ne manque, même pas la photo bien guindée qui s'en ira jaunir dans l'album aux souvenirs. On tâte l'eau fade des lagons, mais en confondant la Polynésie avec Trouville en 1900. Retour vers Papette. Pour apaiser les regrets du départ, on nous montre le fond de la mer et ses merveilles. Mais il y a toujours quelqu'un pour dire dans votre dos, les paysages sous-marins de Corse sont plus beaux. À Papette, on rejoint les prudents qui ont préféré ne pas quitter le paquebot à air conditionné. À l'abri des épidémies et de la concurrence pernicieuse des Vahinés, ils ont pu contempler ce que l'on voit dans presque tous les ports du monde, les enfants pêcheurs de monnaie. Au plus hardi, un dernier plaisir est offert. La découverte de la Dolce Vita tahitienne. Elle est rude, cette Dolce Vita. Car les boîtes dans lesquelles on mène les touristes sont moins des cabarets de haut luxe que des bouges à matelots. Ces danseurs de tamouret n'ont pas, ce matin, jeté poétiquement leur filet au fond d'un lagon, comme dans le film Moana. Ils ont plus prosaïquement déchargé un cargo sur le port de Papette en crachant dans leurs mains. Ici, on se tutoie, on se rudoie. La bourrade est de rigueur, et la plaisanterie salée est la seule qui fasse rire. Le bateau s'en va. Qu'emporte-t-il? Quelques souvenirs de pacotille. Interrogeons donc ceux qui n'ont pas choisi Tahiti comme lieu de promenade, mais pour y refaire leur vie. Que pensez-vous des femmes d'ici? Les femmes sont ici comme dans le monde entier. Il ne faut pas exagérer. Et vous, avez-vous ici autant de succès qu'en Europe? Je crois que c'est autant, mais avec une différence d'âge, bien entendu. De quoi? D'âge. Eh ouais. Expliquez-vous. Bien sûr, en France, c'était des femmes d'un certain âge plus âgées, quoi, dirons-nous. Des femmes mariées.
Contrairement à ce qui se passe dans les autres pays du monde, l'argent ne les intéresse pas. Ça, c'est une chose absolument incroyable qui fait que les hommes de toutes les parties du monde se retrouvent ici un jour ou l'autre. Moi, je m'en moque. Je préfère de beaucoup les blondes. Les Tahitiens sont-ils jaloux? C'est vous, papa, vous qui êtes jaloux. Mais si on sort avec un garçon qui nous plaît bien, il ne pose pas ces questions. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Je t'ai attendu et tu n'es pas venu. Est-ce que tu m'as trompé? Est-ce que tu as embrassé d'autres garçons? Oh, oh, fiou alors, fiou, 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 fiou. Voilà ce qu'on recherche ici. C'est la gaieté. Qu'ils soient intelligents n'a aucune importance. Il y a des gens ici qui avouent, et qui sont passés, qui avaient une renommée dans le monde. Et finalement, ils n'ont rien eu de plus, rien. Aucun succès. Pourquoi? Parce qu'ils étaient gros, parce qu'ils étaient sérieux et qu'ici on a horreur du sérieux. Les Vahinés, paraît-il, n'aiment pas l'argent. Mais ce sont les plus belles qui roulent dans les plus belles voitures. Coïncidence, sans doute. Loti, demanda Rarahu après un long silence, quelles sont tes pensées? Beaucoup de choses, répondis-je, que toi tu ne peux pas comprendre. Je pense, ô ma petite amie, que sur ces mers lointaines sont disséminés des archipels perdus, que ces archipels sont habités par une race mystérieuse bientôt destinée à disparaître, que tu es une enfant de cette race primitive, que tout en haut d'une de ces îles, loin des créatures humaines, dans une complète solitude, moi, enfant du vieux monde, né sur l'autre face de la terre, je suis là auprès de toi, et que je t'aime. Voilà ce qu'est devenue la petite fille de Rarahu. Le tabac des cigarettes l'a fait tousser, alors elle chique. Ces images vous ont-elles convaincu? Par-delà les légendes, par-delà le Tahiti des touristes en troupeau ou des désœuvrés à la recherche d'une paresse qui leur donnerait bonne conscience, il existe une Polynésie plus secrète. C'est celle-là que nous allons tenter de découvrir. Je m'appelle Ravello. Lorsque je suis arrivé en Polynésie, je n'avais pas cette vocation de Picasso pour mer du Sud. Je venais vendre de l'horlogerie de précision, montres, horloges, chronomètres, machines à pointer. Après une étude approfondie et scientifique, j'avais appris que le marché de l'Océanie était vierge et voué à un grand avenir. Cet avenir s'appellerait Achille Ravello, avais-je décidé. Et Achille Ravello ferait fortune en 2 ans. Eh ben non, je n'ai pas fait fortune en 2 ans. Mais je suis devenu ce barbouilleur. L'horlogerie de précision n'a pas conquis la Polynésie, mais la Polynésie a conquis Ravello. Comme j'ai changé. Je me vois débarquant à Papété. J'étais alors un petit monsieur méticuleux et exact. J'avais un programme, un itinéraire, un horaire pour visiter les archipels et placer ma camelote de précision. Oui, monsieur, je me donne 3 mois, pas un seul jour de plus, pour visiter toute la Polynésie. Et vous croyez que 3 mois vous suffiront? Mais naturellement. Il faut vous dire que je suis un garçon organisé, très organisé. Tenez. Je pars demain pour Aiora, une île des Tuamotu. Le bateau lèvera l'ancre à 14h30. Et j'arriverai le surlendemain à Aiora à 16h. Ben, vous y serez. Vous n'y serez pas. Pourquoi voulez-vous que je n'y sois pas? La goélette sur laquelle je pars appartient à une ligne régulière. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait du retard. Les conditions de temps sont excellentes. D'ailleurs, je me suis renseigné. Le lendemain, 1 heure avant le départ prévu, je monte sur le bateau. Là, il n'y a pas de steward au pied de la passerelle pour me conduire à ma cabine. Mais le capitaine? Où est le capitaine? Mais ce bateau est vide. Il n'y a personne?
Qu'est-ce qui se passe? On ne part pas? Non. Et pourquoi? Il y a une avarie? Il y a Tino Rossi. Tino Rossi? Ben oui. Ce soir, en ville, il y a un film de Tino Rossi. Mais j'ai payé mon billet, je veux partir, je me fiche de Tino Rossi. Toi peut-être, mais pas les Tahitiens. On aime beaucoup Tino Rossi. Et on ne veut pas partir sans avoir vu son film. Mais quand partirons-nous? Ben, demain. Allez, va, t'inquiète pas. Pour partir, on partira. Après, le film de Tino Rossi. Avec 24 heures de retard, les passagers se sont enfin décidés à venir. Oh, mais cela ne s'arrêtera pas là. Je vais me plaindre à la compagnie. Et puis, j'ai pas de cabine. On a donné la mienne à un troupeau de chèvres que l'on ne pouvait pas, paraît-il, loger ailleurs. Alors, je vais être obligé de coucher sur le pont. Oh non, les cochons ne devraient pas être admis en première classe. Et pourquoi ces jeunes filles rient-elles de la sorte? Aurais-je dit un mot d'esprit sans même m'en apercevoir? Ça m'arrive de quelquefois. Enfin, nous partons. Mais si nous forçons l'allure, nous parviendrons peut-être à rattraper notre retard. Premier atoll des Tuamotu. D'après mon itinéraire, nous avons déjà 2 jours, 7 heures, 35 minutes de retard. Je ne comprends pas. Et puis les prospectus de la compagnie affirmaient que ce navire était muni des dernières commodités. Comment naviguez-vous, capitaine? Hein? Comment faites-vous le point? Avec les nuages. Je ne connaissais pas ce système-là. Ça me paraît bizarre. Oh, c'est très facile. Tu vas comprendre, monsieur. Je dis à mon timonier, va droit sur ce nuage à l'horizon. Mais les nuages, ça se déplace. Oui, mais pas dans ce pays. Il y a toujours un nuage au-dessus du Nil. Crois-moi, va. C'est encore le meilleur moyen pour trouver la Terre de suivre un nuage. Ouais. Eh bien, moi, je préfère me fier aux instruments de précision. Ah, un navire à la côte. Il a dû être coulé pendant la dernière guerre. Ah non. Non, c'est un trois-mâts qui s'est échoué sur le corail en 1902. Mais comment cette catastrophe a-t-elle pu se produire? Une erreur de navigation? Bah, le capitaine s'est trompé de nuage. Les 2 jours de retard sont devenus 4 et quelques heures. Enfin. Nous arrivons à Fakarava. Quoi? C'est pas Fakarava, mais à Pataki. Mais pourquoi ce changement? Ah, le capitaine a de la famille à voir. Mais c'est pas une excuse. Je vous avertis, dès mon retour à Papété, je déposerai une réclamation. Je descendrai néanmoins à terre pour placer mon horlogerie de précision. Savez-vous en l'honneur de qui cette fête ridicule? D'un haut fonctionnaire? Non, vous n'y êtes pas, non. D'un blanc-bec qui, paraît-il, a une jolie voix, il chante bien. Oh, ces Tahitiens n'ont décidément pas le sens des hiérarchies. Remarquez, ils m'ont invité à leur banquet. Ça s'appelle un tamara. Oui, mais au bout de la table. Moi, je ne sais pas chanter. Alors, j'en ai profité pour parler à mes voisins des avantages techniques de mes appareils. Eh ben, croyez-vous, ils n'ont pas paru intéressés. J'en ai profité pour m'éclipser. On m'a signalé dans une crique voisine des requins. Vous savez, ces fauves de l'océan, ces grands carnassiers de la mer. Mais attention, vous allez vous faire dévorer. Oh non, non, le requin est apprivoisé. Décidément, cette Polynésie est bien déconcertante. On m'a affirmé que j'allais trouver un gros client dans cette île pour mon horlogerie de précision. Attention, le débarquement est périlleux, mais que voulez-vous, les affaires sont les affaires. C'est une plaisanterie.
On n'a pas suivi l'itinéraire. Il n'y a que des oiseaux sur ce récif. Oh, t'écœurant. Les goélands et les albatros viennent y pondre et horreur des œufs qui me donnent mal au foie. Et pourquoi perdez-vous votre temps à ramasser ces saletés? Pour le dîner de ce soir? Vous allez en faire une omelette? Et je devrais en manger une omelette d'albatros? Oh, oh, ça jamais. Eh si, j'ai dû manger de l'omelette d'albatros. Ah, il n'y avait rien d'autre. Le cuisinier a mal calculé ses provisions. Au secours, un homme à la mer! Un homme à la mer! Un homme à la mer! Instant que j'ai compris que je devais renoncer à mes programmes et à mes horloges. N'était-ce pas ces gens qui avaient raison? Pour eux, l'heure de l'arrivée n'a aucune importance. Le lieu n'en a guère non plus, pourvu que l'on arrive. Ben, si on n'arrive pas, tant pis. Aïta P.A.P.A. Ce Aïta P.A.P.A., expression favorite des Tahitiens, se dit en russe Nitchevo, en arabe Mektoub, en parisien on s'en fiche, tout s'arrange, on verra bien. En elle se résume toute la philosophie des mers du Sud. L'acceptation souriante d'une fatalité quotidienne. Et moi aussi, j'ai adopté le Aïta PAPA polynésien. Laissons voguer. J'ai renvoyé à Paris mon horlogerie de précision. Pour vivre, je me suis mis à peinture lurée. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à affronter la douceur de vivre. Non, ne souriez pas. J'ai entendu des Européennes prétendre sérieusement que le climat de Tahiti était plus rude que le climat du Gabon. Elles étaient mariées, il est vrai. Vivre à Tahiti, à l'heure encombrée des métros, c'est un rêve que bien des citadins caressent. Mais croyez mon expérience, pour devenir citoyen des îles, il ne suffit pas d'endosser une chemise à fleurs. Non, les paradis, fussent-ils terrestres, sont d'un accès moins facile. Ils exigent un apprentissage. À 30 km de Papeete, face à l'île de Moréa, habite un homme qui, pour venir en Polynésie, n'a employé ni l'avion ni le paquebot, mais un moyen de locomotion beaucoup plus original, le radeau. Sa barbe, contrairement aux apparences, n'est pas une fausse barbe, mais une barbe d'aventure. Bengt Danielsson ayant été un des héros de la célèbre expédition du Kon-Tiki. Mais dites-moi, ça a dû être terrible, 100 jours sur un radeau avec le roulis et le tangage. Il me semble que vous avez dû beaucoup souffrir, non? Oh non, non, pas du tout. Pas le moins du monde. Tiens, voilà une réduction. Regardez-la, c'est la copie exacte. Oh, elle n'est pas bien grande, mais elle est exacte. Sur ce radeau, ni roulis, ni tangage, ni mal de mer. Ça montait, ça descendait lentement, comme ça, sur les vagues, très doucement, exactement comme ça. Nous mangeons sur le pont, ici, devant l'entrée de la cabine. Eh bien, sur la table, les verres ne bougeaient pas. Alors, vous voyez, ça c'est la preuve. La preuve absolue. Un film tourné pendant la traversée nous raconte ce que fut la vie à bord du radeau. Danielsson, seul Suédois d'un équipage norvégien, ethnologue et chargé de cours à l'université d'Uppsala, s'y découvrit sur la crête des vagues un talent exceptionnel de maître queue. Parti de la côte du Pérou, le Kon-Tiki et ses 5 occupants, après 100 jours de navigation, vint se jeter sur le corail d'une île déserte, dans l'archipel des Tuamotu. Cette randonnée marine n'était pas un simple exploit sportif. Elle entendait prouver qu'au 6e siècle de notre ère, une mystérieuse peuplade péruvienne avait fort bien pu gagner les îles de la Polynésie, montée sur des radeaux semblables au Kon-Tiki et fabriquée avec les mêmes matériaux. Et ces Péruviens, adorateurs du soleil, auraient donné naissance à la race Maori. Un autre gentilhomme, Eric de Bishop, ne fut pas séduit par cette thèse. « C'est faux, s'écria-t-il. Ce ne sont pas les Péruviens qui ont conquis la Polynésie, mais les Polynésiens qui ont envahi le Pérou. »
et le voilà parti sur un autre radeau à travers le Pacifique, mais en sens inverse, de Papette vers l'Amérique du Sud. Hélas, Bishop n'était plus de la première jeunesse, il mourut en mer. Les radeaux n'ont pas convaincu. Les Tahitiens continuent à croire que la Polynésie est le dernier vestige d'un continent englouti. Les savants à prétendre que les îles de Polynésie ont été peuplées par des tribus originaires des Indes qui ne naviguaient pas sur des radeaux, mais sur de lourdes pirogues. Une seule certitude, au XVIIIe siècle, la race maori, fort belle, mais coupée du monde, ignorait l'écriture, la roue, le fer et la poterie. Ce fut alors que les voiles venues d'Europe apparurent. En juin 1767, l'anglais Samuel Wallis débarquait à Tahiti. Malgré les fêtes et les vahinés, il n'y demeura que peu de jours. Plus tard, c'était un Français, le chevalier de Bougainville, fervent disciple de Rousseau qui croyait trouver le paradis sur terre. Avec lui naissait la légende du bon sauvage, simple, doux, aimable et non encore perverti par la civilisation. En juin 1769, Cook, le rude Cook à son tour, se laissait prendre aux séductions de Tahiti. Hélas, un second voyage lui fit perdre ses illusions et un troisième lui coûta la vie. Sur une plage, le capitaine Cook était massacré par ces bons, par ces excellents sauvages qu'il avait tant aimés. Monsieur de Bougainville avait été victime d'un mirage. Derrière la beauté des corps et la douceur des accents, il n'avait pas voulu voir une réalité moins charmante. Neuf roitelets guerroyant sans cesse entre eux. Certes, Pomaré Ier n'allait pas tarder à prendre le pouvoir et à fonder une dynastie, mais sans pour cela abroger les sacrifices humains et mettre un terme au cannibalisme. Nous sommes loin du délire qui faisait écrire à Cook sur son livre de bord. Sous un des plus beaux climats de la Terre, le Tahitien possède non seulement le nécessaire, mais encore le superflu de la vie. Dans la vieille société polynésienne, la femme n'était pas heureuse. Certes, elle pouvait se couvrir de fleurs, mais parce que ces fleurs étaient sans valeur et à portée de sa main. Mais en vérité, on la traitait comme un être souillé, qui polluait tout ce qu'elle touchait. Elle n'avait pas le droit de manger la nourriture des hommes. Dans certaines îles, elle n'avait pas non plus le droit de dormir sous leur toit. Par une ironie du sort, ce fut cependant cette femme tahitienne si méprisée qui fit la renommée des îles d'Océanie. Ce fut en partie pour elle que les marins du Bounty se mutinèrent et préférèrent l'exil de la Polynésie au retour en Angleterre. Un simple matelot nommé Churchill devint même le chef de Taiarapu. Et il aurait pu être roi de Tahiti si un autre marin ne l'avait pas assassiné pour un motif futile. L'heure n'avait pas encore sonné pour la dynastie Churchill. Ce fut en 1842 que les Français instaurèrent un premier protectorat sur la Polynésie, malgré une violente résistance des Anglais. On faillit même se faire la guerre. Mais en 1845, la reine Pomaré IV accepta le mandat français et la paix revint à Papette. Tahiti et toute la Polynésie ne tardèrent pas à se mettre au goût français. La mode vint de Paris. Quant aux gouverneurs, même ceux dont l'aspect était le plus rébarbatif, ils ne cherchèrent nullement à mettre un frein au rapprochement des races. Mais dites-moi, la race tahitienne, ou maori, est-elle restée pure? Ethnologiquement, il est évident. La pureté de la race n'est restée que dans les îles. Et les îles qui sont les plus lointaines, c'est-à-dire les moins touchées. Mais à Tahiti en particulier, vous concevez très bien que Tahiti ayant été découvert il y aura bientôt deux siècles, est resté un centre d'attraction.
Vous savez, les Tahitiens, et surtout les Tahitiennes, ont toujours eu un faible pour les marins. Après les chanteurs de charme, ce sont les quartiers maîtres qui ont le plus de succès à Papeete. D'ailleurs, la marine française l'a bien compris puisqu'elle a fait de Tahiti une récompense. Quand le Jeanne d'Arc, le navire école, fait son tour du monde, Papeete est l'escale de la détente, de la récréation, des colliers de fleurs et de tout ce qui s'ensuit. Évidemment, ces escales et bien d'autres ont un peu nuit à la pureté de la race maori. On trouve aujourd'hui quelques Polynésiens qui ont l'œil bleu des Bretons ou des Normands. Personne d'ailleurs ne trouve à y redire. D'ailleurs, il y a un précédent illustre, M. de Bougainville. Hein? Eh ben, il s'est lui aussi marié à Tahiti. On peut même être tahitien sans avoir une goutte de sang tahitien dans les veines. Je peux même vous en donner une preuve. Il y avait dans un district un petit enfant. Il avait été élevé comme un petit tahitien par des parents tahitiens. On l'appelait Taro. On lui apprit à peine le français, juste quelques mots. Et puis il a grandi, il était bronzé, tout le monde le prenait pour un tahitien. Lui-même se croyait tahitien. Mais un jour, il a dû réclamer ses papiers. C'était, je crois, pour son service militaire. Eh bien, savez-vous ce qu'il a découvert dans ses papiers? Qu'il était né en France, à Marseille, d'un père berrichon et d'une mère savoyarde. À 3 ans, il avait perdu ses parents et on l'avait amené à Tahiti, où il était devenu un tahitien sans avoir dans ses veines une seule goutte de sang tahitien. En débarquant à Tahiti, M. de Bougainville avait mal regardé. Ces bons sauvages, admirés tant, étaient aussi de féroces guerriers. Leurs idoles ou tikis auraient dû d'ailleurs avertir cet excellent M. de Bougainville. Ce n'étaient pas des dieux aimables, mais des dieux exigeants, qui réclamaient moins des prières que du sang. Au cours de somptueuses cérémonies, la victime était traînée sur un autel de pierre nommé Marae, pour y être non seulement immolée en hommage aux dieux, mais encore pour y être mangée. Et oui, nos doux sauvages tatoués, que les navigateurs du XVIIIe siècle avaient cru sortis d'un livre de Jean-Jacques Rousseau, étaient un tout petit peu cannibales. L'Église n'a pas fait des anges de nos anciens cannibales, mais quelle transformation dans leur vie. Elle a surtout propagé la vérité de l'Évangile, l'Évangile intégral. Dans toutes les îles de la Polynésie, on prêcha la Bible, et nos anthropophages se convertirent sans peine. L'Ancien et le Nouveau Testament plurent à ces êtres naïfs qui, ne sachant pas écrire, adoraient qu'on leur raconte des histoires. Les sacrifices humains furent remplacés par des cérémonies beaucoup plus pacifiques, des kermesses. Braves kermesses des mers du Sud qui ressemblent comme des sœurs aux kermesses bretonnes ou angevines. La destruction des faux dieux n'alla pas sans quelques rivalités. Le peuple tahitien est avant tout un peuple musicien. Aussi, pour conquérir les âmes, protestants et catholiques luttèrent-ils et luttent encore à coups de cantiques. Nous disons couramment « ceci ou cela est tabou ». C'est un film sur les mers du sud de l'allemand Murnau, presque aussi célèbre que Moana, qui a introduit ce mot tahitien dans notre langage. C'est aussi Freud qui l'employa dans ses premiers écrits. Tabou, ce qui est défendu par les dieux ou par les prêtres. Hiro, lui, ne croit plus au tabou. Je pêche, je manie la pagaie, je guide ma pirogue comme le faisaient mes aïeux. Mais le samedi, je mets une chemise que j'ai achetée à Papeete, je quitte mon île de Mopiti, et je m'en vais par la goélette à Rutshuroa, la capitale des soulevants. Là, je bois de l'inao. C'est une bière que l'on fabrique à Tahiti. J'écoute la musique d'un pick-up. Je vais au cinéma voir un film de Brigitte Bardot. Je ne suis plus un Polynésien d'autrefois. Timera et Mavaine, il y a un an que nous nous connaissons. Appartient à une des familles les plus riches de Mopiti. Son grand-père était un des chefs de l'île. Son père possède une cocoterie et tout le monde l'écoute parce qu'il sait parler. Moi, je suis pauvre, mais j'épouserai Timera parce qu'il y a un an que nous nous plaisons.
fait beau. Je mets ma belle chemise achetée à Papette. Je vais aller demander au père de Timéra la permission d'épouser sa fille. Mais Timéra a un mauvais visage. Elle a parlé à son père. Le vieux ne veut pas de notre mariage. Il menace même de me déclarer tabou si je continuais à voir sa fille. Mais ce n'est pas possible. Timéra a dû mal lui expliquer. Je vais lui parler. Je vais lui dire que les tabous n'existent plus, que les tabous sont des superstitions d'autrefois. En ce temps-là, les femmes étaient impures, elles souillaient. Elles n'avaient même pas le droit de préparer la nourriture des hommes. Mais maintenant, les Vahinées sont pareilles à nous, elles sont libres de choisir. J'aime Timéra, Timéra même, je le dirai à son père et il comprendra. Mais non, le père ne veut pas comprendre. J'ai jeté le filet. J'ai jeté le filet sur le père de Timéra. J'ai jeté le filet sur le père de celle que j'aime. Jamais il ne me le pardonnera. Si je l'avais battu, je l'aurais moins humilié. Avec Timéra, nous avons dû fuir Maupiti. Nous avons été vivre sur un îlot au large de l'île. Si j'étais resté à Maupiti, tous mes amis se seraient détournés de moi. Plus personne n'aurait voulu me serrer la main. On ne m'aurait même pas aidé à décharger mon poisson. J'aurais été pire qu'un lépreux. J'aurais été tabou. Mais ici, mon harpon se moque de ses bêtises. Timéra, elle aussi, est heureuse. Je crois qu'elle est heureuse avec moi. Et puis, elle a un secret. Elle n'a pas voulu me le dire encore, mais je l'ai deviné. Elle attend un enfant. Je l'élèverai sur cet îlot. Il n'ira pas à l'école et je lui apprendrai comment l'on pêche et le nom des poissons. Timéra veut retourner à Maupiti. Elle dit que la naissance de l'enfant va lever le tabou. Mais moi, je n'irai pas à Maupiti. Il faudrait que je demande pardon à son père et je ne veux pas. Il a été trop injuste et cruel. Je me dispute avec ma Vahinée et Timéra s'en va fâcher. Un peu fâché. Timéra n'est jamais beaucoup fâchée avec moi. Elle prend sa voix la plus douce pour me parler. Elle voudrait bien rentrer à Maupiti. Et nous rentrons à Maupiti. J'irai dire pardon au père et je lui annoncerai la naissance de notre enfant. Timéra me l'a demandé. Elle m'a aussi demandé de ne plus parler contre les tabous. Je lui ai promis et je tiendrai ma promesse. La famille tahitienne, c'est très simple. Il y a une femme qui a un mari et des enfants. Ces enfants ne sont pas les fils du mari. Ils ne sont même pas forcément les fils de la mère. Ils peuvent être simplement les fils du voisin. Vous me suivez? Non, c'est trop compliqué. Eh bien, ayons recours à un dessin animé. Nous allons prendre le cas d'une Vahinée. Elle s'appelle Rairoa. Autour d'elle vont se grouper des enfants. Les uns légitimes, les autres naturels. Les autres enfin adoptés ou seulement recueillis. Cette femme a un premier mari. Mais ce mari la quitte en lui laissant trois fils. Elle en donne deux. Elle en garde un. Ce fils grandit, embellit et un jour, il se marie à son tour avec une Vahinée qui a déjà un enfant. Ce couple a un autre bébé, une petite fille. Mais revenons à la mère Rairoa. Elle a entre-temps deux nouveaux enfants. Ils s'en vont dans une autre famille. Alors elle en adopte deux autres qui lui plaisent davantage. Les enfants recueillis sont traités comme des enfants légitimes, d'où une certaine confusion. Les fils, les filles et les neveux portent le même nom. Mais à cette famille légitime ou adoptée s'ajoutent les enfants confiés. Ils viennent des îles des Tuamotu, des Marquises ou des Soulevents. On les appelle les enfants à qui on donne à manger. Donc un enfant à Tahiti a plusieurs pères et plusieurs mères. Il est toujours très bien traité dans sa famille, mais il peut avoir envie de changer. Alors il s'en va chez d'autres parents qui l'accueillent avec la même gentillesse. La famille tahitienne n'est pas un cadre fixe comme la famille européenne. Elle est fondée sur un grand amour des enfants. Dans cet amour n'entre aucune vanité. On aime les enfants pour eux-mêmes et non pas parce qu'ils sont le sang de votre sang.
Et cependant, une vaïnée peut fort bien avoir un bébé et le donner. Elle n'en sera pas pour cela une marâtre. Qui est la petite fille au hula-hop? La fille d'une amie qui est partie. Et l'autre enfant, c'est à une autre amie? Oui, c'est à une autre. Où est votre mère en ce moment? À la maison. Combien de maris avez-vous eu? Je me suis mariée 3 fois. Et combien d'enfants avez-vous eu? J'en ai 10. Qui est votre père? C'est Bayou. Et vos autres sœurs sont les filles de qui? Drolet, monsieur Drolet. Et l'autre grande sœur? Ah, ça, je ne sais pas. Vous n'êtes pas mariée? Non, je ne suis pas mariée. Et vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Et pourquoi ne vous mariez-vous pas? Mon fiancé, il est parti, mais il doit revenir en janvier. Qui vient après vous dans votre famille? C'est Camélia qui vient après moi. Elle est mariée? Elle est mariée, oui. Combien d'enfants a-t-elle? Elle a 2 fils et 1 fille. Et après elle, qui a-t-il encore? Il n'y en a pas. Vous attendez un enfant, je vois. Oui. Vous en avez déjà? Oui. Combien? Une petite fille. Et vous êtes mariée? Non. Combien de petits-enfants avez-vous? 65. Comment? 65. Ce n'est pas le soleil ou les couleurs des eaux et des rives, ou les fleurs innombrables qui poussent à même la nature, ou les rires des vaïnées qui donnent à Tahiti sa gaieté. Mais ce sont les visages des enfants. Il y a quelques années, l'administration envoyait à Papette une assistante sociale. Sa mission était de veiller sur l'enfance malheureuse. Eh bien, au bout de quelques temps, on dut la rappeler en France. À Tahiti, il n'y a pas d'enfants malheureux. En Polynésie, c'est l'enfant qui est roi. Il doit ce pouvoir à la vieille mythologie maori qui accordait plus de savoir aux bambins par sa naissance encore proche des dieux qu'à la grande personne ayant depuis longtemps abandonné le monde du surnaturel. Dans certaines îles, lorsqu'on discutait de questions graves, on demandait toujours en premier l'avis des petits-enfants. Dans d'autres îles, lorsqu'un petit prince naissait, son père lui abandonnait immédiatement la couronne. Ce temps n'est plus. L'enfant tahitien doit aller en classe comme partout ailleurs. Tu te souviens un peu de Paris? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé? C'est la tour Eiffel. Ah, la tour Eiffel. Oui, monsieur. Mais tu as vu tout Paris? Pas tout à fait. Tu vas souvent au cinéma? Ah, oui. Tu vois des films de cow-boy? Non. Alors, quel film? Des films sentimentaux. Des films d'amour? Oui. Qui est le plus fort ici? Ce sont les garçons ou les filles? Les garçons. Tu as entendu ce qu'il a dit, que les garçons travaillent mieux que les filles? Est-ce que c'est vrai? Non, monsieur. Ce n'est pas vrai? Alors, ce sont les filles qui travaillent le mieux? Oui. Mais dis donc, tu as oublié tes souliers pour venir en classe. Tu n'as jamais froid aux pieds? Non, monsieur. Et quand on te marche sur les pieds, ça ne te fait pas mal? Si. En France, il y a une histoire qui a traîné dans tous les almanachs. On raconte que l'on fait réciter aux petits Tahitiens nos ancêtres les Gaulois. Est-ce que c'est encore vrai? Non, ce n'est pas vrai, c'est fini. On parle, on dit maintenant que les habitants de la Gaule, la France d'autrefois, s'appelaient la Gaule. Et leurs habitants, c'était les Gaulois. Mais on ne dit plus maintenant que nos ancêtres sont des Gaulois. C'est-à-dire que les livres destinés à l'enseignement, maintenant, sont des livres qui ont été conçus pour les petits Tahitiens. Oui, c'est ça. Ils sont adaptés au pays. Voilà. Ces enfants qui sortent de classe ressemblent à bien d'autres enfants. Ne vous fiez cependant pas aux apparences. Le cinéma, les magazines ont donné aux vaïnés et à leurs tannés un vernis européen. Il n'en est pas de même pour les enfants qui, dès leur naissance, ont reçu une éducation tout à fait différente de la nôtre. Et le résultat n'est point mauvais. Les Tahitiens, élevés sans contrainte, sont adultes sans complexe. Voici Mouria, elle a 6 ans. Elle est née dans un district proche de Papette. Bébé Mouria n'a jamais crié parce que les petits Tahitiens sont les enfants les plus sages du monde. Mais sa maman ne l'a jamais embrassée non plus. Ce n'est pas dans les habitudes d'ici. On l'a toujours laissé libre de faire ce qui lui plaisait. Mouria ignore le martinet et les taloches. Rien à Tahiti ne fait plus honte que de battre un enfant. Mais on n'a jamais donné de jouets à Mouria.
En Polynésie, on ne s'aviserait pas de distraire un enfant. C'est à lui de se débrouiller, de s'amuser comme bon lui semble. Il a un domaine qui lui est propre et les grandes personnes ne pénètrent pas dans ce domaine. Dans cette école, on enseigne la danse. Non pas la danse profane, celle qui est venue jusqu'à nous, celle qui règne dans les boîtes de nuit et dont les origines ne sont pas toujours polynésiennes. Ici, c'est la danse cérémoniale que l'on enseigne. Celle qui autrefois, dans la vieille société polynésienne, présidait à toutes les fêtes. Et en a l'instinct. Mais son goût de l'indépendance est plus fort encore. Elle ne peut souffrir l'autorité d'un maître. Ce maître serait-il un maître à danser? Et la voilà partie au gré d'une autre musique, moins intimidante celle-là. À chaque carrefour, ou presque, on joue d'un instrument, souvent improvisé. Comme nous sommes loin des tristes classes dans lesquelles on nous enseignait le dessin. À Tahiti, c'est au milieu de la nature, et quelle nature, que l'on apprend à peindre et à manier le crayon. Les petits Tahitiens sont presque aussi doués pour les arts plastiques que pour la danse. Habitués à vivre dans le plus chatoyant des paysages, ils ont, d'une façon innée, le sens des couleurs. Et cependant, il y a quelques mois, cet amour du dessin devint à Papette une véritable passion. On s'en étonna et on chercha à savoir ce que cachait ce soudain engouement. On découvrit une organisation, nous allions dire un gang. Chaque matin, tous ses dessins et toutes ses aquarelles étaient rassemblés par un mystérieux émissaire et vendus pour quelques sous à un personnage non moins singulier. Ne vous fiez pas à son apparence, il est une des gloires locales de l'île. On l'appelle par son nom dans tous les cafés de Papette. Un personnage important passe-t-il par Tahiti? On l'amène voir ce phénomène. Notre gros homme a glané sa moisson. Il ne lui reste plus qu'à signer ses dessins d'un nom illustre, du nom de Gauguin. Et ce n'est pas un faux, car ce pilier de bistrot est le fils naturel que le célèbre peintre a eu d'une veinée. Et cette légère entorse à la vérité va faire un heureux, un touriste descendu d'un bateau. Ce nom de Gauguin éveille en lui de vagues souvenirs. Ce Gauguin est, paraît-il, coté comme le blé de l'Ohio ou le mouton d'Australie. Or, on lui demande un prix raisonnable de ce Gauguin régional. L'absence d'intermédiaire, sans doute. Et pour 3 dollars, l'affaire, la bonne affaire, est conclue.
Vous reconnaissez votre père ici? C'est mon père, Paul Gauguin. Qui était un grand peintre. Un grand peintre, Gauguin. Vous avez vécu beaucoup de temps avec lui? Non, je ne connais pas. Parce que moi, il est trop petit. Ça fait 3 ans, alors il est mort, mon père. Et à Tahiti, il a vécu? Oui, à Tahiti, tout envoyé en France. Il n'y a pas ici. Et où est-ce qu'il est mort? Il est mort au Marquis. Mais vous faites des peintures aussi? Ah, un peu dessiné, il n'y a pas beaucoup. Montonnet fait un bateau, un cheval, et un pouce, tout comme ça, le frère Ananas. Mais vous n'avez jamais vu des tableaux de votre père? Si, il y a vu, c'est la copie. Il n'y a pas vrai les dessins à mon père. Non. Mais vous n'avez jamais été à Paris où il y a tous les tableaux? Non. Moi, il n'a pas été à Paris. Vous avez vu seulement les reproductions, comme ça? Oui. Très joli. Ça vous plaît? Oui. C'est à mon père, ça, hein? Ah, oui. Oui. Comment ça, la père? C'est à votre père aussi? Oui, c'est à mon père aussi. Ah, c'était ici à ça, non? Oui. Petite fille, hein? Ah, voilà deux Tahitiens. Ah, ça, c'est Benoît. Merci. Oui, c'est ça. Et voilà comment vit ce descendant de Gauguin. En lui, un peu de roublardise mêlée à beaucoup de naïveté. Car à Tahiti, le don d'enfance est accordé même aux grandes personnes. Devrait vivre parfaitement heureux en cet Éden où les arbres eux-mêmes ont de singulières délicatesses. Jamais, de mémoire de Tahitien, une noix de coco n'est tombée sur la tête d'un passant. Et c'est heureux, car la noix de coco bien pleine, à l'époque de sa maturité, pèse plus de 5 kilos. Et les cocotiers ont parfois 25 mètres de haut. Mais s'il faut en croire une vieille légende, le coco a un œil qui lui permet de voir là où il ne faut pas tomber. Ah si, cependant. Une fois, raconte-t-on à Papette, un coco sembla frapper de cécité. Un gendarme conduisait un ivrogne en prison lorsque le fruit du cocotier vint choir sur son képi. Et ce fut le prisonnier qui dut amener son gardien assommé à l'hôpital le plus proche. Ouvrir un coco est une science qui réclame une grande habileté. Car il ne faut pas laisser échapper le liquide que recèle le fruit sous son écorce. Cette eau un peu acide est délicieusement fraîche, et parfois même un peu pétillante lorsqu'on la boit au plus fort de la chaleur. Il ne faut pas confondre cette eau de coco avec le lait que l'on fabrique en râpant la pulpe du fruit. Fournissent pas un travail acharné, qu'ils ne peuvent pas fournir d'ailleurs à cause du climat et à cause aussi de leur alimentation qui n'est pas très complète. Néanmoins, ils travaillent. La légende veut que le Tahitien soit paresseux. En vérité, ce sont les oisifs amateurs de Tahiti qui ont accrédité la légende du Tahitien indolent pour justifier leur propre paresse. En pénétrant à Tahiti dans le monde du labeur, nous entrons donc dans un univers tout à fait inconnu et que les agences de tourisme se sont bien gardées de dévoiler. Ici, on fabrique le copra. Demandez à 10 citadins de nos contrées qu'est-ce qu'une vaïnée, 9 sauront vous répondre. Mais à ces mêmes citadins, posez la question qu'est-ce que le copra? Il reste muet. Pour l'Européen moyen, le copra est une sorte de varech gluant. Détrompez-le. Le copra se fabrique à partir de la fibre du coco. De Papette, on enverra ce précieux copra, principale richesse de la Polynésie, à Marseille, où il deviendra du savon ou encore de la margarine. Mais pour les paresseux, la honte de la Polynésie, le déshonneur, la profanation, le sacrilège de l'Océanie, terre des molles langueurs, paradis du doux farniente, c'est Makatea. Songez donc dans cette île, mieux dans cet atoll du Pacifique, on travaille comme on travaille à Lens ou à Birmingham. On ose y exploiter une mine, la seule de toute la Polynésie, une mine de phosphate. Est-il besoin de le dire,
les amateurs de pittoresque et de couleurs locales se détournent avec dégoût de cet enfer. Jamais ils n'ont consenti à monter dans le petit train qui transporte le phosphate jusqu'à la mer. Et cependant, cette voie ferrée de quelques kilomètres est une curiosité. N'est-elle pas l'unique réseau ferroviaire de la Polynésie française? Mais le vrai métier du Polynésien, celui qu'il pratiquait déjà lorsque les premiers navigateurs venus d'Europe débarquèrent dans ces îles, celui pour lequel il semble avoir été créé, c'est le métier de pêcheur. Ses méthodes n'ont pas changé. Il pêche en jetant le harpon. Il pêche aussi en jetant le filet. Le Polynésien a le sens de la solennité. De la pêche humble au travail quotidien, il fait parfois une fête. Au matin, sur le lagon de Raiatea, dans l'archipel des Soulevents, toutes les pirogues de l'île se donnent rendez-vous pour aller à la pêche aux cailloux. Autrefois, cette pêche d'apparat célébrait le passage d'un roi ou d'un prince. Aujourd'hui, elle rend encore hommage aux visiteurs de marque. Les hommes, montés sur des pirogues, frappent l'eau avec un gros caillou attaché à une cordelette afin d'affoler les poissons et de les pousser vers des guirlandes de palmes tenues par toutes les femmes, tous les enfants et tous les vieux du village et formant nasses. Cette pêche est encore appelée pêche à la guirlande, mais son nom tahitien est beaucoup plus beau. Totai Taora Afai, ce qui veut dire pêcher en jetant la pierre. Les poissons appartiennent à l'hôte que l'on a voulu honorer, mais la politesse tahitienne veut que celui-ci en fasse cadeau aux pêcheurs. À ces pêches traditionnelles, d'autres pêches plus modernes sont venues se joindre, telles la pêche à la nacre. Cette pêche à la ligne a une originalité. Elle n'exige pas d'hameçon, mais un canot automobile des plus rapides. Le pêcheur fait scintiller la nacre au bout de son fil. Le poisson saute pour tenter d'attraper le leurre, il tombe sur le pont, et une fois sur le plancher, il ne reste plus qu'à le capturer. Chaque mouvement du Polynésien pêchant prouve que son élément est la mer. À Tahiti, l'amour-propre tient souvent lieu de morale. C'est à cet amour-propre que nous devons les trois expressions le plus souvent entendues en Océanie. Ça fait honte, ça fait pas honte, ça fait pitié. Pour vous y retrouver, le mieux est encore de s'adresser aux Vahinées elles-mêmes. Mentir. Ça fait pas honte. Sortir deux fois avec la même robe. Ça fait honte. Et emprunter une robe à sa patronne sans lui demander sa permission. Ça fait pas honte. Se faire prendre en train de mentir. Ça fait pas honte. À Tahiti, un mari s'est tanné. Et si ton tanné te bat? Ça fait honte. Mais si c'est toi qui bats ton tanné? Ça fait pitié. Cet amour propre qui donne honte a aussi ses avantages. Il fait de la campagne tahitienne une suite de beaux jardins qu'aucune clôture ne sépare. Quant aux maisons, les farés, même les plus pauvres sont toujours propres et souvent gracieusement ornés. Un don Juan revenant de Tahiti soupira, on m'avait promis des amoureuses, je n'ai trouvé que des blanchisseuses. La tahitienne en effet lave beaucoup. Et lorsqu'elle a fini de laver, elle songe à se parer. Une vahinée peut se promener la gorge nue. Mais elle ne saurait se montrer en public sans une fleur dans les cheveux. Elle aurait l'impression d'être indécente. Fort heureusement, il existe à Tahiti 43 espèces différentes de gardenia. Et voler, est-ce que ça fait honte? Ça fait pas honte. Maman m'a dit, va chez Payou et dis-lui que notre maison a brûlé. J'ai répondu à maman, mais notre maison n'a pas brûlé. Maman m'a dit, ça ne fait rien. Payou a bon cœur, il te croira et il t'embauchera à nouveau. Alors, bonjour, Payou. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te parler. Viens par là. Oh, cette désordre. J'ai beau leur dire sur tous les temps, il n'y a rien à faire. Alors, ma mère a dit, dis à Payou, la maison a brûlé, il te rembauchera. Ah. Tu veux que je te reprenne à l'atelier? Ben oui. Mais est-ce que tu me voleras encore?
Ah, ça, je ne sais pas. Si tu me donnes de l'argent, je ne volerai pas, mais si j'ai pas de sous, il faudra bien que je vole. Écoute, je veux bien faire un essai. Alors, j'ai des enveloppes à porter en ville, des invitations et des cartes de vœux pour la fin de l'année. Tu vas les porter. D'accord? Bon. Il est drôle, Payou. Il voulait que je porte les cartes et je n'avais pas de vélo. J'ai acheté un vélo. Comme ça, j'y vais beaucoup plus vite. Et il sera content, Payou. Seulement, j'ai été obligé de lui prendre un peu de nac pour acheter mon vélo. Mais avec ce vélo, je finirai plutôt de travailler et ce sera bien pour Payou. Je voudrais te parler. Quoi? Ben, voilà, tu comprends? Et tu as encore fait des bêtises. Ben oui. J'ai pris de la nac, Payou. Alors, tu as encore volé. Ah, c'est pas volé, ça. Et pour les quatre, il fallait un vélo. Ah. Mais pourquoi es-tu venu me dire ça? Ben, j'ai préféré te le dire pour que tu te fâches pas. Ou tu me rembourses sur ta paye, ou tu vas en prison. Je préfère aller en prison. J'ai été chez le juge pour qu'il me mette tout de suite en prison. Comme ça, on en aurait pu parler. Eh bien, croyez-vous, il n'a pas voulu me mettre en prison. Il m'a dit, on ne peut pas te prendre en prison. Mais, puisque je suis d'accord, puisque Payou est d'accord, puisque j'ai mérité d'aller en prison, il n'y a rien à faire. Pour aller en prison, il faut un jugement. Et pas prêt, je crois. Alors, on ne comprendra jamais ses papas. Je ne joue pas, sauf à la pétanque. Un jeu popa. Ils sont marrants, les popas. Ils partent toujours des voleurs. Ça fait pourtant pas honte de voler. En tahitien, un voleur, ça se dit celui qui a des doigts. Et puis, quand on a des doigts, c'est pour s'en servir, n'est-ce pas? Je suis enfin en prison. En prison, les gardiens, ils vous fouillent tout le temps, comme si on était des voleurs. Pourquoi on serait des voleurs? En prison, on est logé, on est blanchi. Ben, on vous donne à manger, alors on n'a pas de raison de voler. Quelquefois, on nous emmène travailler. Oh, le boulot n'est pas très dur. Et puis, on peut toujours se camoufler. Seulement, on nous emmène en panier à salade. Nous, ça nous amuse. Mais pourquoi en panier à salade? On ne veut pas s'évader. Le samedi, ceux qui habitent Haïti, ils vont coucher chez eux. Les autres, comme moi, le dimanche, ils ont une permission pour se promener en ville. Et puis un jour, on nous dit, va-t'en, on ne veut plus de toi, tu as fini ta peine. Et il faut s'en aller. Je suis bien content de te voir, tu sais. Tu te rends compte, je tiens mes 3 mois de prison maintenant. Et je vais aller voir mon frère. Et alors? Ben, je vais me reposer un peu. J'en ai besoin après la prison. Tu sais, Payou, c'est fatigant la prison. Enfin, je vais être à l'aise, ça me changera un peu. Et puis le frère, il est plutôt amusant. Ah oui. Alors tu vas rester à la campagne, c'est très bien comme ça. Comme ça, tu ne feras plus de bêtises, tu ne vas pas boire,
et tu seras tranquille. Alors, c'est vrai, tu ne veux plus de moi, c'est vrai? Mais puisque je ne te volerai plus, alors, Payou? Mais si tu as besoin d'argent, tu me voleras encore. Mais non, je ne peux plus. Mais si. Je peux plus, tu comprends? J'ai la promis au pasteur et puis j'ai signé ma carte bleue. Tu veux voir le papier? La carte bleue, c'est un truc que m'a indiqué un copain. On va chez le pasteur et on lui dit « je bats ma femme ». Le pasteur, alors, il vous fait signer un papier comme quoi « je m'engage à ne pas battre ma femme ». Puis on fait une prière. Moi, j'ai signé pour le vol. Pendant 15 jours, je ne volerai plus. Que ce pays de Tahiti où la vertu se passe par contrat. Comme elle nous semble lointaine, l'innocence des premiers âges. Et cependant, à Papeete, deux siècles à peine nous en séparent. Lorsque les navigateurs venus d'Europe découvrirent Tahiti, les aïeux de cette belle fille nommée Maeva ignoraient encore les tourments du péché. Ils avaient le droit d'agir selon le bon plaisir de leur corps. L'histoire de Maeva et de Tioti va nous raconter les conflits qui opposent parfois cette liberté d'hier à la morale d'aujourd'hui. C'est moi, Tioti. Je viens des îles. J'ai dormi cette nuit dans le port sur le bateau qui m'a amené. Les hôtels sont chers et je n'ai pas d'argent. Ma seule fortune, la fleur de Tiaé que je porte derrière l'oreille. À Tahiti, cela veut dire « mon cœur est libre ». Mais je ne crois pas qu'il sera libre encore longtemps. Ce soir, je vais aller au dancing. Tiens, je ne le connais pas, celui-là. À Tahiti, un tanné, un homme quoi, n'invite jamais une fille à danser. Ça fait honte d'inviter. C'est à la fille de choisir quand le garçon lui plaît. Oui, la fille, elle n'a pas honte de choisir quand le garçon lui plaît. Mais les filles, c'est à Tahiti comme partout ailleurs. Ça fait toujours des histoires. Et qu'est-ce que diraient les copines s'ils m'embrassaient? On n'a même pas encore dansé ensemble. Il danse bien le tamouré. Mais à Papeete et dans les dancings, on n'a pas le droit de jouer plus de 3 tamourés dans une soirée. C'est la police qui ne veut pas, qui interdit. Le tamouré, ça rend fou les garçons. Les filles aussi, peut-être. Mais les filles, elles ne cassent pas les verres, elles ne jettent pas les bouteilles contre les murs. Ça te plairait de rester avec moi? Oh, bien sûr que ça me plairait. Alors viens, où est ta bicyclette? Oh, je sais pas. Comment, tu sais pas? Ne fais donc pas l'idiot. Tu ne veux pas venir? Bah, je n'ai pas ma bicyclette. Tu habites près d'ici? Oh non, j'habite les îles. Je l'emmène chez mes parents. Il couchera sous la véranda ou dans un fauteuil. Il sera aussi bien que sur le pont de son bateau. Et puis les garçons des îles s'adorent partout. Arrête. Fais pas de bruit. Tout le monde dort à la maison. Il ne faut pas faire de bruit. À la maison, il y a le père qui dort et la mère. Il y a aussi Christiane, ma sœur. Elle est fiancée, elle va se marier le mois prochain.
présent, tu dois t'en aller. Non, je ne m'en vais pas, j'habite trop loin. Mais non, tu dois t'en aller, je veux dormir. Moi aussi. Je ne veux pas que tu dormes ici, va-t'en. Non. Je me suis levé de bon matin. Tu es allé prendre mon vélo? Il est à toi? Bien sûr qu'il est à moi. Vraiment à toi? Mais oui, il est à moi. Ah, tu es le père de Maëva. J'ai dormi avec Maëva cette nuit. Écoute, j'ai une idée, je voudrais t'en parler. T'as une idée? Voilà, je voudrais avec qui? Le soleil, ça ne me plaît pas, il va pas assez vite. Un homme, il faut que ça se déplace. Tu travailles? Oui, je vais avec la bicyclette. Bon, dis donc, là où tu travailles, tu pourrais pas me faire embaucher? J'aimerais bien rester à papeter, gagner de l'argent pour m'acheter un Vicky. Ça me plaît bien, un Vicky. Il y a longtemps que j'en ai envie, tu sais. Et puis, pour pas mener Maëva, c'est quand même mieux. Bah, écoute, on va aller voir mon patron. Monte derrière. Cette nuit, c'était sur le vélo-moteur de Maëva que j'étais monté. Ce matin, c'est sur celui de son père. Tout de même, j'aimerais mieux avoir un vélo-moteur à moi tout seul. J'ai travaillé toute la journée. C'était dur. Et si je continue à travailler comme ça, moi aussi, je pourrais m'acheter un Vicky. Après le boulot, le père de Maëva m'a dit, « Viens dans la maison, tu habites avec nous. Et tu feras un bon mari pour Maëva. » Vous pensez si j'ai accepté? Maëva! 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 Elle n'est pas là. Pareil que Maëva ne reviendra pas avant quelques jours. Mais ses parents ont été gentils avec moi. Ils m'ont dit de rester tout de même. Je couchais dans sa chambre. Obligée de m'absenter. J'ai dû aller chercher Georges. Georges, c'est un Européen que j'ai connu l'année dernière. Il est de passage à Papeete. Il y restera quelques jours. Oh, ça aurait fait honte si je n'étais pas allée l'accueillir et si je n'étais pas restée avec lui pendant tout son séjour. Bien amusé. On a été dans toutes les boîtes de Papeete et on ne s'est disputé qu'une seule fois à propos d'un chat. Maëva, où elle est? Cette nuit, elle n'est pas rentrée. J'ai dormi tout seul. Il faut aller travailler. Allez, lève-toi. Tu sais, Tutu, que mon fils Joseph doit bientôt se marier avec ta seconde fille. Et je veux que ce soit un beau mariage. Je sais, je suis bien content. Bien content, c'est vrai. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait quelque chose de changé? Ah non? Tu sais que nous voulons que Christiane soit en robe blanche et en plus j'ai l'intention de faire un grand festin, quelque chose de très grand dont tout Papeete parlera. Ah, je suis très content, vraiment très très content. Bon. Alors dis-moi comment Christiane va pouvoir se marier en blanc quand tout le monde parle mal de vous. Mais je comprends rien à ce que vous dites. Sa sœur Maëva se comporte très mal. Maëva? Où est Maëva? Elle est partie. C'est honteux. C'est mal parce que elle a amené dans son lit un garçon. Voilà ce qu'on dit. Tutu, c'est très mal. J'ai assez parlé, allons au travail. Allez, dépêchons-nous. On va bientôt toucher à la paye. Ton cantillet. À toi, Tioti. 2660. Aujourd'hui,
j'ai touché ma première paye. Avec tout cet argent, je vais pouvoir aller chez le marchand de Wiki. Les Européens, nous on les appelle les popas, ils ont inventé un truc épatant pour acheter les Wiki. On n'a pas à donner d'argent tout de suite. On peut empoter le Wiki. On n'a qu'à payer ce qu'ils appellent une tête. Tu penses si je l'ai payé la tête? Et maintenant, je n'ai plus qu'à choisir mon Wiki. C'est Maeva qui va être contente quand elle rentrera. Tiens, je vais prendre celui-là. Il y a une bonne femme peinte sur le réservoir. Georges s'en va. Il est bien triste. Il me dit un tas de choses agréables. Qu'il m'aimera toujours, que je suis le grand amour de sa vie. Il m'a dit aussi, écris-moi toutes les semaines. J'ai promis. Bien sûr, je n'écrirai pas. Nous autres, les Vainines, nous n'écrivons jamais. Mais ça n'aurait pas été gentil de ne pas lui promettre. Et puis, c'est Tioti que j'aime. En partant, Georges m'a laissé la Vespa qu'il avait achetée à Papete. Toute la nuit, chez les parents de Maeva, on va boire, on va chanter, on va danser. C'est pour fêter le Wiki que j'ai acheté. Tu sais que je n'aime que toi. Avec un papa qui est parti maintenant. Oh, comment va? Bonjour, ça va? Ça va? C'est vrai que pendant tout ce temps, tu as dormi dans mon lit? Tu veux dormir encore? Oui. Allez, vas-y, joue, joue. Ah, je suis bien content que tu sois revenu. Moi aussi. Ah, figure-toi que les parents du fiancé de Christiane m'ont fait des tas d'histoires parce que tu étais parti. Oh, ils vont un peu fort. Tu n'en as pas dû quitter la maison? Maeva. Maeva, viens danser. Pauvre papa, il est tout remué. C'est à cause des choses que les beaux-parents de ma sœur lui ont racontées. Alors, comme ça... Remarquez, moi, je ne suis pas un douillet. Je supporte très bien la pluie quand elle me tombe sur le dos. Mais ce que je ne peux pas souffrir, c'est la pluie qui tombe sur un toit. Surtout si c'est un toit en zinc. Ah, alors ça me fiche une sorte de bourdon. Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, ça, dans la civilisation, le toit en zinc. Alors, j'ai décidé de quitter Papette. D'aller plus loin encore, d'aller tout au bout de la route. Là où il n'y a plus de route. Malheureusement, là encore, j'ai trouvé de la société. Eh oui, un type un peu dans mon genre qui, comme moi, avait tout laissé tomber. Mais dites-moi, en venant jusqu'ici, vous avez dû le rencontrer, non? Depuis quand êtes-vous ici? 30 ans. C'est ça. Et vous venez d'où? Comment? D'où venez-vous? Danemark. Vous ne pensez pas retourner en Europe? Oh non. Pourquoi? Oh, c'est trop froid. Vous êtes poète, je crois. Oui, mais seulement pour moi-même. Alors, vous n'avez jamais publié vos poèmes? Non, je ne veux pas. Pourquoi? Oh, pas pour le moment. Plus tard, peut-être. Mais c'est joli ici, et c'est tranquille, non? Oui, c'est joli et tranquille. On n'a pas de bruit, pas comme ailleurs. Le silence. Il y en a de bonnes. Un matin, j'étais réveillé par un de ces tintamarres. Bon, il défonçait la jungle à coups de bulldozer. Alors, j'ai laissé mon danois et je me suis barré plus loin à nouveau. Vous avez essayé de vous nourrir comme les Tahitiens? J'ai essayé. J'ai essayé pour atteindre ma pension.
J'ai essayé de vivre avec les produits du sol, les produits bruts du sol. Par exemple, les taros, les bananes, les mapis. J'ai tenu, mettons 3 ans. Avec une nourriture absolument brute, pas cuisinée. Mais au bout d'un certain temps, l'intérieur est fatigué et comme brisé par ces produits qui contiennent des acides non éliminés. J'ai aussi fait de la pêche, comme les indigènes. Ah, mais je me suis heurté à des poissons empoisonnés. J'ai eu plusieurs empoisonnements et qui irritent. Fatigue les parties digestives à l'intérieur du corps humain. Et à la suite de ça, je me suis vu contraint de revenir à l'alimentation des pays tempérés, qui est, à mon avis, plus puissante et qui contient davantage de vitamines. L'arbre a été abattu. Dans son tronc, on a creusé une pirogue. Et maintenant, il nous faut quitter la presqu'île et ses hommes nature, que l'on appelle aussi des touristes bananes, en faisant allusion à leur principale nourriture. Ont-ils trouvé le bonheur sur cette côte sauvage? Il est difficile de répondre. L'existence qu'ils mènent nous a paru assez misérable. Y êtes-vous plus heureux et pourquoi? Ben moi, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en Europe, vous êtes trop affairés. Mais nous, ici, on est beaucoup plus heureux. Le fait de vivre au bout du monde, de ne pas lire les journaux, voilà notre secret. On vit d'une façon plus décontractée, plus saine, plus agréable. C'est certain, plus agréable. Et puis, on peut le dire, parce qu'on ne travaille pas énormément. Ben... De toute façon, il faut de l'argent pour vivre partout dans le monde. Et comme je dépense tout ce que j'ai gagné en Europe, quand je n'en ai plus, si je n'ai pas de travail ici, il faut que je retourne là-bas pour travailler. C'est ce qui m'ennuie, d'ailleurs. Comme ça, moi, je suis venu pour faire le tour du monde et m'opposer. Je connais beaucoup de gens qui sont venus, qui sont partis, presque tous sont revenus. Reviennent, en tout cas, ou veulent revenir. Après ces bavardages, il a permis de se poser une question. Mais alors, qui travaille en Polynésie? À Papeete, une voix unanime et vengeresse accuse le Chinois. Parce que tout est de la faute du Chinois. Pleut-il? Vente-t-il? Y a-t-il une guerre ou une famine quelque part dans le monde? C'est toujours à cause du Chinois. Il est un peu le croque-mitaine des mers du Sud. Lorsqu'un petit enfant n'est pas sage, on lui dit « On va te vendre aux Chinois ». Et il se calme car il sait bien que le Chinois achète et vend tout. Et quand on habite Tahiti, on a toujours une idée sur les Chinois, car il y en a beaucoup de Chinois à Tahiti. Et il y en a à peu près 10 000 de races et 6 000 qui ont gardé leur nationalité chinoise. Et ils sont presque tous commerçants. Oui, et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, voyez-vous, ils sont prêteurs. Et ils font aussi des petits métiers. Et à quoi tient leur succès comme prêteur? Le Chinois est dur en affaires, mais il est extrêmement honnête et surtout discret. Ah oui. Oui, c'est très important, la discrétion. Oui, parce que dans cette île, ce n'est pas monnaie courante, alors ça leur donne un certain avantage. Oui, on raconte que tout se sait en quelques minutes. Tout se sait. C'est Radio Cocotier. Pour compter, le Chinois se sert encore du vieux boulier de ses ancêtres. Afin de mieux rouler les Tahitiens, disent ses ennemis. Une histoire court le Pacifique. Une institutrice venue de France interroge ses élèves. Qui est-ce qui fabrique le pain? Toute la classe répond, le Chinois. Mais non, mes enfants, le boulanger. Et qui est-ce qui vend les épices? Le Chinois. La maîtresse n'obtiendra jamais d'autre réponse que le Chinois. Eh oui, le Chinois que l'on appelle à Tahiti le Tinito est le commerçant et l'artisan du Pacifique. Sa boutique est un invraisemblable bazar dans lequel, si on a la patience de fouiller et si on n'a pas peur de salir, on peut trouver les marchandises les plus insolites. Comment sont-elles parvenues jusqu'à cette échoppe? Ça, c'est le secret du Tinito. Pour mieux négocier, il a émigré à Tahiti avec son écriture, ses coutumes, ses écoles, ses traditions. Il vit dans un monde parfaitement clos qui est, à 6000 km de distance, une reproduction en miniature de son pays d'origine.
C'est en 1860 que des colons importèrent les premiers Chinois pour cultiver à Tahiti le coton. Les colons repartirent ruinés. Les Chinois restèrent. Certains sont encore aujourd'hui jardiniers. Et si l'Européen, lassé par la fadeur des patates douces, veut manger en pleine Océanie un chou vulgaire ou une tomate sans exotisme, il le doit aux Chinois et aux Chinois seuls. Il y a cependant une affaire que les Chinois ont ratée. 60 ans après, M. Lu Yan ne s'en console pas. Et c'est pour cela qu'il achète à ce peintre du dimanche un tableau qu'il paiera plus qu'il ne vaut. Mais M. Lu Yan ne veut plus être pris au dépourvu. Autrefois vivait à Papette un hurlu-berlu nommé Gourguin. Après sa mort, on apprit que ses croûtes se vendaient des centaines de millions. On fouilla les placards, personne n'en avait conservé. Alors M. Lu Yan et ses semblables ont fait un serment. Le prochain Gourguin, ils ne l'oublieraient pas. À 1000 km de Tahiti, presque sous l'équateur, se trouve un groupe d'îles dont le nom a fait rêver bien des écoliers, les Marquises. Pour les atteindre, pas de ligne régulière, mais un cargo mixte qui s'en va une fois par an chercher la seule richesse de l'archipel, le copra, c'est-à-dire la mangue des cocos. Elles sont les seules îles de la Polynésie française qui n'aient ni lagon ni récif de corail. Leurs falaises noirâtres reçoivent de plein fouet les vagues du large. Mais à titre de compensation, les Marquises ont d'admirables baies profondes, abritées. Joie des touristes comme des marins. De sombres montagnes les dominent et donnent au paysage une sévérité que n'a pas Tahiti. Aux Marquises, point d'arrivée clandestine. Chaque bateau est attendu, espéré, guetté. Les distractions sont si rares. Et pour l'accueillir, toute la population européenne est sur le quai. 7 à 8 personnes. Il a existé un art polynésien, et fort beau. Art guerrier, souvent, datant de l'époque où les îles sans cesse se battaient les unes contre les autres. Art magique aussi. Le Tahitien a mis beaucoup de talent à représenter ses dieux et à traduire dans le bois l'effroi qu'il lui inspirait. C'est dans l'archipel des Marquises que l'on a découvert les chefs-d'œuvre de cet art polynésien. C'est un art non figuratif, fait de dessins aux formes régulières et qui orne parfois les objets les plus usuels, mais qui les pare d'une étrange beauté. Évoque pour nous ces mots, un équipage de chasse à cours. Les gentlemen en habit rouge, une meute de chiens, des appels de trompe. Rien de tout cela aux Marquises. Et pourtant, ces cavaliers, ces chevaux s'en vont chasser à cours. Oh, mais d'une façon tout à fait particulière. D'abord, le terrain où l'on force l'animal ne ressemble en rien à nos forêts de Sologne. Ici, on traque la bête dans la montagne, et dans une montagne si escarpée que seuls des chevaux indifférents au vertige et ayant le pied alpin peuvent s'y aventurer. Parfois, l'un de ces coursiers manque une marche. Alors, c'est la catastrophe. La chute dans le ravin. Si on est marquisien, on a une chance de s'en tirer, car certains de ces hommes, souples comme des chats, sont tombés de 50 mètres sans se faire une blessure grave. Il est néanmoins recommandé aux Européens de veiller à ce que leurs chevaux ne trébuchent pas. La route est longue et avant d'atteindre les hauts plateaux, il faut faire une halte près d'un ruisseau, en une oasis qui vous fera oublier le vide des précipices. Puis on reprend le sentier aérien. Le gibier est non moins original. Ces chasseurs ne sont pas partis pour forcer le cerf ou le sanglier. La bête qu'ils vont poursuivre s'appellerait en Normandie une laitière. Mais ici, c'est un animal sauvage. Eh oui, la vache.
la bonne vache paisible de nos campagnes, dans certaines îles de l'Océanie, est retournée à l'état de nature. Et il faut user de 1000 ruses pour l'approcher. On l'a débusqué enfin. Le chien est sur la piste. Dalali est proche car la vache, malgré son état de sauvagerie, est loin d'avoir les ressources et les défenses d'un chevreuil ou d'un marcassin. Elle sera vite rejointe, jetée à terre, égorgée et aussitôt dépecée. C'est un fardeau précieux que l'on batte sur le dos du cheval. Les bateaux, en effet, ne visitent qu'une fois l'an les baies des Marquises. Aussi, les provisions de viande fraîche sont-elles vite épuisées. Tout au long de l'année, on doit se contenter de conserves ou de maigres poulets, plus maigres encore que les poulets africains. La vache des hauts plateaux est donc fort bien accueillie. En son honneur, on installe même un marché, et l'on viendra des vallées les plus reculées pour y acheter son beefsteak annuel. Mais acheteur ignare, prenez garde. En Polynésie, une vache s'appelle un cochon. Ce n'est pas une insulte, c'est une habitude. Tous les animaux sont appelés des cochons. Mais à ce cochon, on ajoute des qualificatifs. Ainsi, la vache est un cochon qui a des cornes. Le cheval, un cochon qui galope. La chèvre, un cochon qui a de la barbe. Montée sur son cochon-cheval, elle s'en va vers sa vallée. Nous quittons les Marquises du Nord pour rejoindre les Marquises du Sud à bord d'une goélette. Ces chèvres, sauvages comme les chevaux, ont été capturées dans la montagne. On voudrait les exporter à Tahiti. Malheureusement, la chèvre, si elle a le pied montagnard, elle n'a pas l'estomac marin. Et toutes mourront au cours du voyage victimes du mal de mer. Autres passagers, les éternels Américains du Pacifique. On les trouve sur toutes les goélettes. Ce sont le plus souvent des étudiants qui passent de la sorte leurs vacances. Sur la goélette, on va charger le copra. Des vallées les plus perdues, par des sentiers souvent vertigineux, la plupart du temps à dos d'homme, on a descendu la récolte des noix de coco. La journée est d'importance puisque tout le trafic économique de l'île se résume en cette vente, ou plutôt en ce troc. Les Marquises, en effet, est un des rares lieux de la Terre où l'on pratique encore l'échange marchandise contre marchandise sans se servir de monnaie. Le copra est pesé sur une balance romaine. Son poids est inscrit sur un registre. Et lors d'un prochain voyage de la goélette, on remettra au vendeur l'épicerie en provenance de Tahiti dont il aura besoin durant toute l'année. On ne se servira d'aucun billet de banque au cours de cette transaction. Un agrégé en sciences politiques ne saurait rêver d'économies plus fermées. Voilà reparti. Nous avons pris en remorque deux pêcheurs qu'une tempête avait détournés de leur route. À Atuana, capitale des Marquises du Sud, nous découvrons un singulier défilé. La population tout entière de l'île a abandonné le travail et elle monte, grave et endimanchée, vêtue de ses plus beaux paréos vers le sommet d'une colline. Les riches s'en vont à cheval, les pauvres à pied, mais tous portent à la main des fleurs. C'est la fête des morts. Une fête des morts qui se déroule dans la splendeur du Pacifique et dans un des plus beaux cimetières qui soit au monde. Sur une tombe, un nom, Paul Gauguin. Une date, le 8 mai 1903.
Le jour de sa mort, en cette île, une enfant qui se recueille, son arrière-petite-fille. Au printemps de 1891, Paul Gauguin quittait Paris, un foyer, une famille pour les îles ô combien lointaines à cette époque du Pacifique. Le 8 juin, après 63 jours de traversée, il découvrait Tahiti l'odorante. Que venait-il chercher si loin de la civilisation? Une pureté que réclamait son art, une pureté des premiers âges. Certes, il devait la trouver auprès des Tahitiens, mais il devait aussi rencontrer à Papeete une contrefaçon dérisoire du monde qu'il fuyait. Sur ce carnet de croquis, il a noté avec rage ses déceptions. Il a fait la caricature de ses gendarmes, de ses fonctionnaires, de ses colons qui devaient si impitoyablement se venger. On ne compare pas impunément un commissaire de police à un dindon. On ne fait pas paraître sans risque, dans une petite ville de 6000 habitants, un journal satirique qui ne ménage aucun notable. Ses ennemis l'acculeront au suicide. Son art le sauvera. Pour traduire sur une toile l'éclatante beauté des Vahinés, il poursuivra la lutte. Et cet homme sans ressources, rongé par la maladie, sera le premier à faire connaître les splendeurs de l'Océanie sauvage. À Paris, ces toiles peuvent surprendre le profane. En Polynésie, à chaque détour du sentier, on découvre la vérité de son génie. Il a pénétré jusqu'au tréfonds l'âme de ce pays, qui en échange ne lui a cependant pas accordé le bonheur. Il dut quitter Tahiti et s'enfoncer plus avant encore dans le Pacifique, jusqu'à l'archipel des Marquises. Au cœur de ces îles montagneuses, il peindra ses ultimes chefs-d'œuvre. Mais dans la solitude d'Atouana, sa hargne ne s'est pas apaisée. Il est au plus mal avec l'évêque. Un gendarme porte plainte contre lui pour diffamation. Et le 23 mars 1903, un tribunal condamne Gauguin à l'amende et à la prison. Ses ennemis n'auront pas la joie de le voir traîner jusqu'à un cachot. Le 8 mai, on le trouvera mort dans son pauvre logis. Il ne lui restera plus qu'à renaître, quelques années plus tard, à l'immortalité. Ce peuple n'a pas d'histoire. Son passé est à la merci des mémoires. Or, le Tahitien en est fort dépourvu. Et hier serait déjà oublié s'il ne s'était pas inscrit dans la beauté des corps et l'harmonie des mouvements. Car à Tahiti, la danse est le seul témoignage des temps écoulés.